même que ce que je viens de faire, sauf que maintenant le retour, on le fait au sprint aussi. Non. Est-ce qu'il est bien compris? Voilà, t'as bien compris, je te dirais. Je t'accorde les deux virages tranquille. Est-ce qu'il est bien compris? Allez, on tourne et on repart au sprint. Allez. Normalement, on ne doit pas discuter, les jeunes là. Hein? Allez! Vu que le sable, c'est très dur, il faut de la force, ça va vous faire travailler la force. Et aussi, l'agilité. Parce qu'en sachant que dans le sable, on va faire une trace. Et si on arrive à rouler toujours dans la même trace, ça sera beaucoup plus facile. Il va mettre son poids en arrière sans le mettre sur la selle. Laissez de l'espace entre vous pour pas vous gêner. Allez hop! Allez, on tire sur le guidon. On tire sur le guidon. Parce que dès qu'on va mettre du poids sur la roue avant, ça va être la chute assurée. On va s'enfoncer. L'autre vélo sur le sable. Vous savez pas, mais c'est comme sur la neige. Si vous restez, ça va glisser pareil. Si vous êtes en surface, il faut aller chercher une bonne trace et être souple. Attends,